Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, on est dans le studio à Arverne, très heureux de vous retrouver pour un Carton Rouge Le Mag. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé d'abord pour un Carton Rouge Le Mag et puis surtout dans le studio à Arverne. Vraiment c'est un réel plaisir d'être là, on va faire une belle émission ce soir, donc restez bien avec nous. On va lire vos commentaires bien sûr en direct, je vous salue tous. Je ne vais pas tous vous saluer parce que vous êtes très nombreux déjà, il y a Michel Sauvat qui est là, il y a Guillaume Vandel, il y a Albert Pilia, il y a Romain Laurent Jallet, bref, vous êtes très nombreux, merci beaucoup de votre présence ce soir. Pour faire un bon Carton Rouge Le Mag, vous connaissez la recette, c'est la recette magique, il faut de bons chroniqueurs. Il est avec nous, il est à distance, c'est l'homme vert de Carton Rouge Le Mag, tout est vert chez lui, son fond est vert, son casque est vert, son écharpe est verte, c'est Thomas, salut Thomas. Bonsoir à toi, peuple vert. Je tiens à rassurer ceux qui ont peur de louper Koh-Lanta ou le relique de basket. Tout va bien à la SS, on n'a plus rien à dire, donc ça va être un tout petit match ce soir. Ouais, dans surtout avec minutes, toi. Ouais. Dans 15 minutes, on fait 5 cartons verts et c'est plié. C'est ça, surtout avec toi, Thomas, qui reprend toujours la parole juste après que j'ai terminé la conclusion de l'émission. On compte sur toi pour être à la hauteur de ta réputation, Thomas. Il est également avec nous à distance, mais il est très très loin, très très loin. C'est monsieur 50 000, 60 000 abonnés et peut-être même 6 000 maintenant sur Instagram. On ne l'arrête plus, c'est Jean-Baptiste, Info des Verts. Salut Jean-Baptiste. Salut Flavien, salut les copains, salut Peuple Vert. Et oui, on gagne enfin. J'espère que tu vas bien Jean-Baptiste. Il y a Olivier Pombeau qui nous rejoint, qui est au Québec. Il y a Régis Nouvelle également, Lionel P. Bonsoir à toutes et tous. Ils sont sur le plateau, j'en ai deux à mes côtés. Je ne suis pas tout seul. Il y a l'homme qui a poussé un coup de gueule mémorable, qui est resté dans nos mémoires collectives, celui qui leur a dit « Bougez-vous !» Et il a dit un gros mot derrière que je ne répéterai pas ce soir. Salut Hervé. Salut Fabien, salut bienvenue. Henri, salut à tous les amis. Ça fait plaisir de te voir. Ah oui, ça fait... Oui, salut, on est bien. Et enfin, un homme qu'on n'a pas vu depuis longtemps sur Carton Rouge TV. Il nous manquait. Tout à fait, c'est gentil. C'est l'homme aux analyses ciselées. C'est l'homme aux connaissances fines du football. Il est avec nous et on est très heureux. Salut Henri. Bonsoir tout le monde, bonsoir Flavien. J'espère très que tu vas honoré, bien. Très très honoré d'être là. Ça merci fait beaucoup. Plaisir de te recevoir et de vous encore. Retrouver. Et tout va bien effectivement, les verts vont bien, tout va bien. Bah, voilà. On va en parler. Je salue Poupou 42740 qui est devenu sub de la chaîne. GG à toi. Merci beaucoup Poupou et c'est l'occasion pour moi aussi de remercier tous les subs de la chaîne qui soutiennent Carton Rouge TV depuis si longtemps. On a l'objectif des 20 000 abonnés, on va peut-être y arriver d'ici la fin de saison, c'est vraiment l'objectif qu'on se fixe et j'espère qu'on va y arriver. Voilà. Les amis, ce soir, au programme de cette émission, deux parties principales et nos fameux cartons rouges, cartons verts en toute fin d'émission. Vous aurez vous aussi l'occasion de nous donner vos cartons rouges et vos cartons verts, bien entendu. On va démarrer tout de suite avec une équipe qui est devenue invincible. Plus personne ne peut nous battre. On est les plus forts. Des clean sheets. Et puis d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de mettre les choses au clair. Oui, parce que là, c'est un moment sérieux là, que je voudrais, c'est une mise au point en fait, vis-à-vis de la team carton rouge là, qui m'entoure ce soir. Contrairement à vous, messieurs, j'ai toujours soutenu. toujours. Qu'il ne fallait surtout pas virer Laurent Batelos. Voilà. C'est bon, on arrête l'émission. Non, bien sûr, je voulais que Laurent Batelos soit démis de ses fonctions. Force est de constater que ça y est, on repart de l'avant. Ça semble aller mieux, à la fois pour Laurent Batelos, bien sûr, mais aussi pour toute l'équipe. Les résultats sont là. Ouais. Et c'est une bonne nouvelle. On va peut-être commencer par ça. Et on va commencer avec toi, Henri, sur les résultats de la SS. 4 victoires, un match nul à Bordeaux, que je trouve quand même être un bon résultat. Et puis, au-delà de ça, depuis le début de l'année 2023, 6 victoires, 2 défaites. Si le championnat avait commencé au 1er janvier, on serait tout en haut du classement et on parlerait de monter en Ligue 1. C'est quand même inespéré, ce truc-là, non ? Est-ce que tu y croyais, toi ? J'y croyais plus parce que, effectivement, très très mauvaise passe, surtout ce match à Annecy qui a été catastrophique. C'était nul, Annecy. C'était nul. Et c'était puis, nul. Par miracle, c'est un match en toute fin d'année 2022. Hein. C'est ça, toute fin d'année 2022, on perd 2-1. Et puis, contre Laval, même si on était bien au-dessus, ben, on a réussi quand même à marquer ce but qui nous a sauvés. Et on a réussi à enchaîner à Niort, ce qui nous a fait beaucoup de bien. Après, on est retombé dans nos travers. Et puis finalement, tout le match à Bastia était nul aussi. Hein. Voilà, ouais. Bastia, on avait l'impression qu'on était vraiment retombé dans nos travers. Là, je me suis dit, on va battre les 6-7 derniers. On va réussir à prendre des points contre eux et puis rien faire contre les grosses équipes. Et visiblement, je me suis trompé puisqu'à Bordeaux, on n'a pas fait grand-chose, mais au moins, on a pris un point. Et c'était intéressant. On conserve notre invincibilité. C'est ce qui Ouais, t'as raison de le dire qu'on a pris un point à Bordeaux, on n'a pas fait grand-chose, c'est tout à fait vrai. En première mi-temps, on s'est quand même créé deux, trois situations intéressantes. Hervé, le match de Bordeaux, c'est ce que j'ai un peu dit dans mon débrief. Ce match-là, il y a 3 mois, on le perdait. Ah oui, c'est-à-dire que le pénalty n'était pas sifflé, ouais, il sifflait un coup franc en dehors de la surface et on prenait un deuxième but en fin de partie. Est-ce que c'est un match qui illustre
à lui seul finalement le renouveau de la SS, parce que c'est quand même un renouveau, quoi. 4 victoires, un match nul, franchement, c'est une très belle série. Bien sûr, mais après, un penalty, bon, je trouve un peu litigieux parce qu'il est limite, enfin, il le siffle, donc ça met pour nous, c'est très bien. Après, comme tu dis, il y a 3 mois, on le perd le match. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les 9 recrues qu'on a eues pendant le mercato. Et il n'y en a que 2, 3 qui jouent, en vrai. Il y a Larsonneur, Appia et Nkunku. Nkunku. Chargot est sur le flanc. Ah oui, il y a Pomba, Fomba et Bamba. Et tu as raison. Oui, non, ça fait quand même 5-6 joueurs, quoi. Donc, ouais, c'est pas rien. Après, le gardien, pour en revenir à l'effectif et au renouveau de 2023, nous fait extrêmement du bien. On ne voulait pas. Rappelle-toi, à l'époque, on disait on a un Green, on a 7 gardiens. On a quand même passé 5 gardiens. 5 gardiens. Et je trouve qu'il nous fait du bien. Bah, il fait des conneries, hein. Sur les dégagements, c'est pas à Bordeaux. C'est pas à Bordeaux. Le dégagement qu'il voit. Pas à Bordeaux, pas à Bordeaux. Non, je suis désolé. Ben peut-être, mais à Bordeaux, il fait des arrêts qu'il faut, quoi. Je suis désolé. À mon sens, c'est un gardien qui est fait pour la Ligue 2, mais pas plus haut. Voilà. Je pense que pour la défense, il apporte un peu de sérénité parce que. C'est vrai ce que tu dis. Je pense qu'il apporte un peu de sérénité. C'est ça. Il pourra jamais jouer plus haut. Non, mais pour nous, pour tout de suite, là, il est bien. Ah, il nous fait du bien. En Ligue 2, donc oui. Il a fait quelques arrêts qui ont été décisifs. J'ai plus le retour. Salut Sim. Salut Sim, ça va? Ah, il y a Sim qui est là. Salut Sim, bienvenue. Il y a Jocelyn qui lui dit Larsonneur est très fort. Gisèle, j'ai plus le retour. Je sais pas si Jean-Baptiste et Thomas sont toujours là. On est toujours là. Vous êtes toujours là, les amis. Je ne sais pas si on va vous voir sur le retour écran, du coup. Jean-Baptiste, toi, qu'est-ce que tu penses de cette série de l'AS Saint-Etienne, série en cours? Est-ce que tu penses qu'on peut la poursuivre, notamment samedi prochain face à Amiens, et peut-être surtout le match d'après au Havre, qui est quand même un match sur lequel crucial. On a peu d'espoir, en quelque sorte? Ouais, alors, moi, je veux rebondir un peu sur ce que vous disiez, les gars, sur Larsonneur. Le peuple vert, notre collègue qui publie pas mal d'actualités sur Twitter sur l'AS Saint-Etienne a élu, ils ont décidé de choisir Larsonneur comme l'homme du mois, hein, en le mettant en vedette, en mettant en avant ce chiffre, hein, 7 arrêts en 90 minutes face à Bordeaux, apparemment. Bien sûr. Effectivement, on peut le dire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Hervé. Et je suis le premier à dire que Larsonneur, ses relances ne sont pas du tout à la hauteur et ça peut faire parfois assez peur. Mais il faut quand même reconnaître que face à Bordeaux, il a été là. Il a su faire les arrêts qu'il fallait. Et écoutons, à voir si ça se poursuit. Mais face à Bordeaux, moi, je suis tout à fait d'accord avec Hervé. Il n'a pas fait qu'un arrêt. Mais franchement, les gars, on va demander à Thomas son avis, on va demander au juge Thomas. Vas-y, finis. Pour terminer, quand même, et pour terminer, oui, est-ce qu'on a de quoi être rassuré? J'ai envie de surfer sur la dynamique positive en disant oui, mais rien n'est joué. C'est-à-dire qu'on est encore, et on en parlera sans doute tout à l'heure, tu as vu l'écart de points, c'est absolument incroyable. On est pratiquement à la 10e place, mais on peut très vite retomber au fond du classement. En fait, il n'y a que 6 points qui nous séparent. 5 points. Donc, est-ce que je suis rassuré? Non. Est-ce que j'ai envie d'y croire? Oui. Ça va vite. Non, juste pour revenir sur Larsonneur, franchement, il a fait un arrêt en deuxième mi-temps. Il fait une horizontale sur un centre qui était dangereux. Le reste, ça lui tombe dans les bras, quoi. Je veux dire, il n'a pas fait d'arrêt miracle. Thomas, ton avis sur la forme de l'AS Saint-Etienne, incontestablement, ça va beaucoup mieux. Et puis aussi sur le sujet qu'on évoque à l'instant. Bah, concernant Larsonneur, un gardien, c'est certes des arrêts décisifs, mais c'est aussi un mental, un tempérament. Et moi, je veux croire que Larsonneur a contribué à rassurer cette défense. Après, sur le mieux de l'ASS, tu as fait un petit carton rouge là, lors d'un débrief, dont tu as fait un carton rouge spécial où tu analysais les raisons du mieux. Donc, tu avais mis en avant les nouvelles recrues, tu avais mis en avant pas mal de critères, en soulignant à juste titre que c'était surtout deux joueurs hein, qui apportaient un vrai renouveau. Ces deux pistons qui semblent enfin avoir trouvé Batles par rapport au système de jeu qu'ils voulaient mettre en place, Bamba ou Cafaro, hein, par alternance selon la présence de l'un ou l'autre. Nkunku, alors Nkunku, hein, quand même, un mot pour lui, parce que Nkunku, souvenons-nous, son premier match, une catastrophe digne de Namri. C'était digne de Namri, peut-être même pire. On se disait même pire que Pintor encore. C'était son premier match, c'est une vraie catastrophe. Et puis, depuis que Batles l'a mis dans un rôle un petit peu plus offensif, où on voit, il s'illustre plutôt avec ses débordements, ses percées, Nkunku, pour moi, il crève l'écran. Nkunku à Bordeaux, pour moi, c'est le meilleur Stéphanois sur la pelouse. Donc, ça, c'est les gros motifs de satisfaction.
Par rapport au match de Bordeaux, moi je suis. Vous avez dit qu'on n'a pas fait un grand match, certes, mais je trouve que Bordeaux n'a pas fait un grand match non plus. Et pour moi, ce match n'est pas du tout une bonne opération comptable. Parce que pour moi, contrairement à vous, JB qui regarde encore le bas du classement, moi je regarde toujours le haut du classement. Hein. Et pour moi, on perd 2 points à Bordeaux face à un concurrent direct, ouais. Messieurs. Je salue, Fabien Picot. Concurrent direct. Il s'enfle la bouche. Je salue Fabien Picot. Il y a Audrey également qui est là, qui nous a rejoint sur le live. Merci beaucoup à tous pour votre présence. N'oubliez pas de liker la vidéo. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, Thomas, sur Nkunku, oui, effectivement, j'avais évoqué le fait que sur le mercato, c'est vraiment. En fait, ce qui se passe, je pense, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles. Je pense que le départ de Laurent Batlles, quand on le demandait, c'était pas complètement stupide, parce qu'en fait, Laurent Batlles, il s'est obstiné avec son système de jeu pour lequel il n'avait pas l'effectif. C'est-à-dire que son 3-5-2 nécessite d'avoir des latéraux, des pistons de type Nkunku et Appia. Or, il avait à gauche Petro en début de saison, puisque Giroudon était dans l'axe, donc Petro, il ne sait pas faire ça. Et de l'autre côté, il avait Namri. Bon, en début, il y avait Palhinha qui avait un peu plus le profil pour faire ça. En début de saison, je ne sais pas pourquoi il est parti, Palhinha, parce qu'en plus, il avait été décisif, notamment contre Bastia. Il avait été super bon. Je ne sais pas, il a dû se passer un truc dans le vestiaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'on peut reprocher à Puel, c'est d'avoir voulu persister. Non, pas Puel. Putain, à chaque fois que je. Carton rouge. Sans déconner, mais c'est incroyable. À chaque fois que je suis énervé. Tu as vu comme j'ai repris là direct. À chaque fois que je suis énervé contre l'entraîneur, c'est le mot de Puel qui sort de ma bouche. Mais c'est un truc de malade, ça. Pourtant, tu n'aimes pas Batlles. Oh putain, mais c'est incroyable. Non, mais c'est un truc de fou. Bon, je reprends. Donc, c'est comme les vétérans du Vietnam, c'est un trauma, Batlles. C'est ça. Non, mais j'en peux plus. Putain, mais pourquoi je sors Puel à chaque fois? Bref. Et donc, oui, je reviens 2 secondes sur ce système de jeu. En fait, il s'est entêté avec ce système de jeu qui ne fonctionnait pas. Après, il a essayé du 4-2-3-1, il a essayé du 4-4-2 à plat. Enfin, c'était un vrai bordel. Là, c'est vrai que les deux latéraux jouent enfin le rôle qu'il attendait de ses latéraux, de ses pistons. C'est le système de jeu qu'il a fait monter avec 3, hein, quand même. Hein. Donc, il est vraiment adepte de ça. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça va mieux. Après, effectivement, on a quand même plus de réussite. Hein. Ouais, les décisions arbitrales sont en notre faveur, tout. On a quand même plus de peau. Après, tu es en train de parler de ça, mais c'est lui qui a recruté les joueurs au mois d'août, au mois de juillet. Ah, non, mais, donc, du coup. Petite précision, et Henri, je voudrais bien t'entendre là-dessus aussi. Je pense quand même que les échos que j'ai eus de côté de Saint-Étienne, c'est que face à la catastrophe imminente de la relégation en nationale, le fameux vrai retour de Romeyer qui dit « je reviens aux affaires », etc. En fait, c'est on met de l'argent sur la table. Parce que quand il décide de mettre 100 000 balles par mois pour Charbonnier, quand il décide de mettre des gros salaires pour Appia… Et de recruter 9 joueurs. C'est quand même parce que les présidents ont dit « ok pour lâcher du pognon », ce qu'ils ne voulaient pas faire à l'intersaison. En fait, mais parce c'est, que, ce qui est nul. Ce qui est nul. En fait, ce qui est nul. Ce qui est nul. Je vais te donner l'explication, parce que là aussi, c'est une explication que je tiens de bonne source. En fait, quand Saint-Etienne descend en Ligue 2, les deux coprésidents, malgré tout, veulent préserver la trésorerie du club pour la valorisation du club dans pour le cadre la revente. Du... Voilà, exactement. Donc, en gros, il y a de la trésorerie, il y a de l'argent dans les caisses, mais ils ne veulent pas puiser dans cette trésorerie pour que le futur repreneur valorise cette trésorerie et que ça fasse plus d'argent pour eux, en fait. Oui, bien sûr. L'argent qui est dans les caisses du club, si le club est vendu, c'est de l'argent en plus au moment de la vente. Et donc, ils ne veulent pas sortir le pognon, et il y en avait, parce qu'il faut se rappeler, il y a CVC qui a rapporté 8 millions cette année, qui rapportera 8 millions l'année prochaine. Mmh. On a les échéances aussi, là, je crois que c'était la dernière échéance de Saliba qui tombait cette année. Oui. On a Fofana qui tombe, on a Gourna. Donc, il y avait de l'argent dans les caisses. Ils n'ont pas voulu sortir cet argent au mercato d'été. Et là, en ayant un pied en national, ils se disent, vite, recrutons. Donc là, on va chercher du Larsonneur, on va chercher du Nkunku, du Charbonnier, etc. Et donc, on met de l'argent sur la table. D'accord. C'est ça le problème. Okay. Donc, à la décharge, là, pour le coup, de Laurent Batlles, je pense, et aussi de Loïc Perrin et de Soukas, je pense qu'au mercato d'été, ils n'avaient pas les moyens pour faire des recrutements. D'accord. On leur a demandé de prendre des joueurs en fin de contrat. Tu veux rajouter quelque chose, Henri, par rapport à ça? Sur, puisqu'on me taxe de fin tacticien, je vous en remercie. De fine lame, voilà. Fine lame du foot. Non, moi, j'aime beaucoup la complémentarité entre Nkunku et Monconduit. Alors, vous allez me dire, bon, ils sont pas si proches sur la pelouse, mais si... En réalité, si, parce que quand Nkunku déborde, il est très offensif. Il défend peu, en fait. Il défend pas beaucoup. Et ce qui fait que quand on est en la Ligue 2, c'est quoi? C'est pas de la possession, c'est du j'attaque, je défends. C'est pas de la Ligue 1. C'est d'ailleurs pour ça que ça passe mal pour les équipes qui montent de Ligue 2 en Ligue 1. Et il y a un temps d'adaptation. Et donc, du coup, Nkunku monte trop. Et Monconduit, lui, revient se placer en défense à la perte du ballon.
qui fait que Petro décale vers la gauche. Ce qui fait que Nkunku, on n'est pas en infériorité numérique, on est plutôt bien solidement placé en défense. Et ça permet, encore une fois, si on récupère le ballon assez tôt, de relancer Nkunku vers l'avant, et c'est parfait. Mais il est là pour faire le piston, en fait. Il fait le piston, mais il est beaucoup plus offensif. Ouais, il ne redescend pas beaucoup. Ah, Pierre Petro, est beaucoup plus défensif. Peut facilement dézoner sur le côté, du coup. Petro glisse à chaque fois à gauche, ouais. Et Nkunku revient dans l'axe à la place de Petro. Ouais, et Appia garde sa place à droite, puisque lui, il est intrinsèquement plus défensif. Ouais. Voilà. Thomas, par rapport, justement, oui, Thomas qui lève la main, mais par rapport, juste, excuse-moi Thomas, tu veux rebondir sur ce que dit peut-être Henri, mais je te pose une autre question en plus. On voit quand même que Laurent Batlos, maintenant, au fur et à mesure que les résultats s'installent dans la durée, il a son 11 de départ. Tu vois, on parlait de Monconduit, là. Henri parlait de Thomas Monconduit. Thomas Monconduit, il était, de mémoire, il n'était quand même pas dans le 11 de départ au début de saison. Titulaire, il est bien revenu. Il s'est installé aujourd'hui comme titulaire indiscutable. Effectivement, je pense que s'il reste titulaire, c'est parce que Laurent Batlos est content de son boulot. On pourrait citer un autre exemple d'un joueur qui, à un moment donné, était quasiment envoyé en réserve, c'est Seydou Sow, qui lui aussi s'installe dans l'équipe de départ. Quel est ton regard par rapport à ça ? Eh ben, du coup, je vais faire d'une paire deux coups. Je vais pouvoir te répondre tout en réagissant à ce qu'a dit Henri. Henri, pour moi, a dit un mot-clé. Il a parlé de temps d'adaptation. Et lorsque tu as fait une émission où tu as analysé tous les critères qui ont permis ce renouveau, je trouve que tu n'as pas assez insisté justement sur ce temps d'adaptation. Oui, on a eu des recrues qui permettent à Batlles d'avoir trouvé son 11, de mettre en place son système de jeu. Mais aussi, pour moi, le vrai renouveau des Verts, c'est tous ces joueurs qui nous décevaient énormément depuis le début de saison, qui se sont enfin trouvés, qui se sont stabilisés et qui sont enfin au niveau où on les attend. Alors, Monconduit, pour moi, est le cas le plus éloquent, mais on peut ajouter aussi Petro derrière, Cafaro. On a enfin des joueurs qui, dans ce contexte, c'est systémique en fait, je pense, hein, peuvent enfin donner le meilleur d'eux-mêmes. Cafaro a fait de meilleurs matchs, mais il y en a d'autres qui sont sur le carreau. Hein. Giraudon, c'est out, il n'est plus du tout dans le truc. On pourrait parler aussi de Chambaud qui était dans le 11 de départ pour le coup. Lui, au départ, en début de saison, il était titulaire. Là, il rentre à la 90e minute à chaque fois. Quoi. Donc c'est contradictoire à ce que tu viens de dire, Thomas. C'est que Chambaud, il n'est pas dans le groupe, il ne s'est pas adapté en fait. Ah ben justement, et pour moi, ce n'est pas contradictoire. Ça montre que justement, que certains joueurs ont réussi à se mettre au niveau, ont tiré leur épingle du jeu. Et aujourd'hui, on voit le gap qui sépare tous les joueurs qui se sont enfin révélés, je citais Monconduit, Petro, d'un Dylan de Chambaud. Quand il rentre en fin de match, on le sent perdu. Bon, il court, il joue une minute, c'est difficile. Ouais, voilà. C'est difficile. Alors, mais justement, pour terminer et finir de te répondre, par rapport à ce 11 de Batlles, oui, c'est une bonne chose d'avoir stabilisé... une équipe à 11 de départ, mais je pense que maintenant, surtout que les résultats vont mieux, il devrait peut-être à certains moments mettre un petit peu plus de concurrence et puis commencer à faire rentrer des jeunes, parce qu'on dit toujours qu'effectivement faire rentrer des jeunes dans une équipe qui va mal, c'est pas leur rendre service, mais je pense qu'aujourd'hui, et notamment sur le front hein, en attaque, il faudrait commencer à intégrer sur le banc de touche des jeunes et leur faire grappiller quelques minutes de jeu. Non. On en parlera ça d'accord. Après dans la deuxième partie de l'émission pour préparer l'avenir. Tant qu'on n'est pas encore maintenu mathématiquement, c'est peut-être un peu difficile. Ouais. Surtout que je ne sais pas si on a encore beaucoup de bons jeunes au centre de formation. Exactement. Aujourd'hui. On en parlera, Jean-Baptiste, par rapport au dispositif tactique de Laurent Batlles, ce 3-5-2 qui fonctionne mieux et ces joueurs qui sont arrivés. Et puis... est-ce qu'il y a un joueur, toi, qui illustre à lui seul le renouveau ? On a beaucoup parlé des milieux de terrain. Est-ce qu'on peut parler d'Ibrahima Awadji, par exemple, qui quand même a été un petit peu critiqué par la communauté stéphanoise ? Transparent à Bordeaux. Hein. Transparent à Bordeaux, mais Crasso transparent aussi. Hein. Il n'a pas été le seul. C'est vrai. Awadji qui marque, hein, il marque. 6 buts hein, depuis le début de saison. Il n'a pas beaucoup joué, en plus. Il n'a pas été... il n'a pas été très souvent titulaire. Hein, quand Charbonnier est arrivé, il s'est retrouvé sur le banc. Awadji, pas mal ? Non ? Oui. j'attends, j'écoutais attentivement ce que vient de nous dire Thomas et je n'arrive pas à tout comprendre. Alors, merci. Je m'explique. On n'a pas cessé de critiquer, peut-être, et je pense à juste raison, ce turnover perpétuel de nos entraîneurs qui ont aligné un nombre record de joueurs en cherchant des combinaisons qui en fait n'avaient absolument aucune chance d'exister, mais bon, peu importe. Et on arrive à peu près, effectivement, tu le dis Flavien, à trouver un équilibre
très bancal, hein, cet équilibre, mais qui s'appuie, tu l'as dit, sur des joueurs. Moi, je suis absolument époustouflé par le niveau de Bouchoirie, par exemple, qui nous rassure. Effectivement, tu as parlé de Wadji. Alors, sans parler des poustouflés, il a tendance à être quand même de temps en temps un peu plus vif. Moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il se tourne vers le but. Alors, certes, ah, il se bat, erreurs, il triche pas. Mais il se tourne vers le but. Tu vois, on n'a pas cet effet qu'on a pu avoir de nos attaquants qui tournaient le dos au but. Là, on a quand même quelqu'un qui tente de se projeter. Mine de rien, on a un Crasso qui, quand il faut marquer, ben, sur un pénalty, il les transforme. Je suis désolé, ce n'est pas le cas de tous les attaquants. Donc, au moins, il marque. On a également, oui, des joueurs qui sont plutôt bancals en milieu de terrain, mais qui, de temps en temps, arrivent à transformer un enchaînement. Et ça me plaît de revoir des petits 1-2. Certes, il y en a un de temps en temps, un sur 3 qui finit en tribune. Oui, encore. Mais au moins, on arrive à avoir quelque chose qui se tient. Par contre, Thomas, où je ne suis pas d'accord, c'est cette idée de tourner. On arrive à avoir un équilibre qui est en train de se faire. Pourquoi encore chercher à tourner, à faire au bout d'un moment, on arrive à gagner des points, on reste sur cette lancée. Je vais te redonner la parole, Thomas, mais disons qu'il y a quand même un point. Si tu veux, quand on regarde le turnover possible, objectivement, le champ des possibles, justement, est très limité. C'est-à-dire que déjà, le gardien, il ne changera pas. Les trois défenseurs centraux, Briançon sera toujours titulaire, Petro sera titulaire, Nkunku, Appia, ça ne changera pas. Et devant, si tu veux, t'as, en attaquant, tu as Crasso, Wadji et Pintor. Donc, si tu veux, tu te dis, on n'a plus le remplaçant, en fait. Non. Au milieu de terrain, c'est vrai qu'il y a un peu plus de possibilités. Ouais. Il y a Chambaud qui peut être là, il y a Cafaro qui va revenir. Et le Mouton. On a vu qu'on a Mouton aussi, qui est sorti aussi du groupe. Ça peut dépendre du groupe. En fait, si tu veux, on va voir comment. Laurent Batlos adapte son dispositif. Je vais te redonner la parole, Henri, pour que tu nous dises comment tu vois les choses, toi, notamment pas pour le prochain match, parce que je pense qu'il sera toujours indisponible, mais notamment pour le match face au Havre. Quand Cafaro, alors il va être dans le groupe, je pense, face à Amiens, mais quand Moueffec reviendra, qui lui était titulaire, mon conduit est rentré dans le 11 parce que Moueffec s'est blessé. Est-ce que Moueffec reprend sa place de titulaire ou pas? Et si oui, on a vu face à Pau à domicile, que là, il avait sorti Seydouso. Pour mettre Cafaro. Cafaro se blesse, Sow revient, donc il reprend son dispositif. Mais sans la blessure de Cafaro, Seydouso était sur le banc. Donc, d'après toi, comment Laurent Batlos va gérer le retour potentiel de Moueffec et celui de Cafaro? Alors, Moueffec, pour moi, c'est vite fait. De toute façon, on ne peut pas compter sur lui, très clairement, le pauvre. Enfin, je suis désolé pour lui. Pourquoi, mais... physiquement, tu veux dire? Oui. Déjà, il faut qu'il revienne. Il va avoir un mois de non-compète. Il va falloir qu'il revienne. Déchirure. Il court, là. Il n'a pas repris l'entraînement. J'y crois pas une seconde à Moueffec. Ce n'est pas un problème, parce que mon conduit fait son trou. Par contre, Cafaro, alors moi, je ne suis pas objectif, parce que franchement, je ne l'aime pas du tout. Tu as vu le but qu'il nous met? Il met un but extraordinaire, mais alors à part ça, moi j'ai trop de mal avec lui. D'accord, vraiment. Pour moi, il ralentit le jeu, je les compte sur les doigts d'une main, les matchs qu'il a fait correct. Par contre, moi je ne changerais pas la défense à 5, enfin la défense à 3 avec... je voyais sur le chat, il parlait de Briançon, c'est vrai que Briançon, mais moi j'en parle pas parce que c'est clairement la clé de voûte de l'équipe, quoi. C'est un roc. Mais les deux pistons marchent bien, je vois pas pourquoi on changerait le tout. Après, Batlès l'a fait, c'est vrai, contre Pau. Je sais pas. Franchement, toi, tu laisses mon conduit, Bouchoirie, Lobry. Ça tourne, ça, au milieu de terrain aujourd'hui. Oui, ça déjà, c'est sûr. Pardon, je te coupe, Henri. Vas-y, je t'en prie. Mais on parlait de Moueffec, et tu en parlais l'autre jour dans les débriefs, je sais plus lequel. Moi, je trouve quand il est là, il fait du bien. Tu vois, il garde le ballon, machin. Mais en pleine forme. Et en pleine forme, on est bien d'accord. C'est la première fois qu'il enchaîne 7-8 matchs de suite. En début de saison, je t'ai critiqué sur Lobry. On en a discuté antenne et tout. Je pouvais pas le blairer. Franchement, il fait ses matchs. Il essaye, comme il dit Thomas, il s'est adapté. Il m'a un petit peu déçu. Je le voyais plus au-dessus que ça. Tu me l'avais vendu au-dessus. Moi, je trouvais que c'était un super joueur à Pau, qui avait le niveau Ligue 1, bas de tableau Ligue 1, mais qui pouvait jouer dans une équipe de Ligue 1. Et c'est vrai qu'en Ligue 2, il ne fait pas non plus des matchs extraordinaires avec Saint-Etienne. Vous partez de Victor Lobry? Oui, tout à fait. T'as vu la passe qu'il fait quand même pour Nkunku? Mais c'est sûr. Il a du talent, mais il me déçoit un petit peu dans le jeu. Je le voyais plus régulier que ça, et finalement. Je trouve qu'il ne donne pas beaucoup d'impact physique, en fait. Je pense qu'il manque quelque chose sur le plan physique. Peut-être un mot sur Bouchoirie, Henri. Je ne sais pas ce que tu penses de Bouchoirie. Je t'ai jamais entendu sur Benjamin Bouchoirie. C'est le Verratti du Wish, le Verratti de la Ligue 2. Il a raté son match face à Bordeaux. Ouais, mais je lui en veux pas. J'adore ce qu'il fait. Moi, encore une fois, je l'aurais vu un petit cran plus haut, moi, parce qu'il perdait beaucoup de ballons en 6, ce qui était très dangereux.
Maintenant qu'il y a mon conduit, tu le ferais peut-être remonter un peu d'un cran. Je crois que c'est ce qui se passe je l'aurais même vu à un moment donné, je l'aurais vu un petit peu plus haut, mais maintenant ça marche comme ça, pourquoi pas. Bon, voilà. Thomas, avec Bouchoirie. Comment je vous trouve dur avec Bouchoirie. À Bordeaux, non, mais il a raté à Bordeaux. Il a perdu tous les ballons. Oui. Mais ça peut arriver. Il est jeune, ça peut arriver. Exactement. C'est la première fois. C'est son plus mauvais match avec Saint-Étienne. Et voilà, exactement. Je pense qu'il est un peu fatigué physiquement parce qu'il enchaîne tous les matchs. C'est un de ceux qui a le plus joué depuis le début de saison, quand même. Oui, d'abord, mais honnêtement, depuis qu'il est là, on ne cesse de dire que, franchement, il fait du bien. Bouchoirie, il est quand même intéressant. Il est quand même intéressant. Ah, c'est marrant ce que dit JPET qui dit « Oui, Bouchoirie, nul, il ne sert à rien et pas bon esprit quand il sort. » Alors, non, il n'est pas nul. Non, franchement, il n'est pas nul. Il est bon, Bouchoirie. Il est jeune. Alors, c'est vrai que quand il sort, on voit ce qu'il fait la tête. Il est dur, JP, là. Ouais, il est dur, JP. Non, mais c'est vrai. Ceci dit, j'ai vu déjà, quand Benjamin Bouchoirie sort, il fait la tête. Il fait la tête. Moi, je vous dis ce que j'en pense de ça. Moi, je préfère voir un joueur qui n'est pas content de sortir parce qu'il a envie de rester sur le terrain qu'un joueur qui sort tranquille. Etc. Ça ne me gêne pas qu'un joueur fasse un petit geste d'humeur. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il insulte l'entraîneur, il ne faut pas qu'il fasse un bras d'honneur ou je ne sais pas quoi, mais qu'on voit qu'un joueur soit un peu agacé de sortir alors qu'il a l'impression de faire un bon match. Moi, je trouve que ça montre au contraire un état d'esprit de gagnant, de battant qui veut jouer jusqu'au bout. Thomas, sur les joueurs, on continue un peu la tournée de... je t'ai pas entendu sur Wadji ou sur Bouchoirie, par exemple. Bah, typiquement, Wadji, pour moi, on parlait tout à l'heure de temps d'adaptation. Typiquement, pour moi, Wadji est un joueur qui prend la mesure de la Ligue 2, qui prend la mesure de l'environnement stéphanois. Je voudrais revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la concurrence. Moi, je n'attends pas forcément que Batles, aujourd'hui, remette en question son 11 de départ à chaque match, mais qui, par contre, qui donne davantage de temps de jeu à certains, pour montrer à ses titulaires que derrière, il y en a qui poussent et qu'il y a de la concurrence. Et ce que je reproche aujourd'hui à Batles, depuis encore aujourd'hui qu'on a de meilleurs résultats, comme depuis le début de la saison, c'est par rapport à ces changements en cours de match. Il est beaucoup trop attentiste. Aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Même quand on va mieux, au bout de l'heure de jeu, on commence à avoir un trou d'air énorme. On sent que l'équipe se dégonfle un petit peu comme un ballon de baudruche. Et je trouve qu'à ce moment-là, Batles devrait faire donner du temps de jeu, faire rentrer un peu du sang frais, plutôt qu'il ne le fait déjà. Et je suis convaincu, par exemple, qu'un joueur comme Monconduit qui tend à devenir enfin le cadre qu'on attendait qu'il soit, je suis convaincu aussi qu'après un temps d'adaptation, un joueur comme Fomba deviendra une pièce maîtresse de l'ASS. Pour Bouchoirie, pour moi, c'est la star. Fomba, pièce maîtresse, punaise. On garde l'extrait, Thomas. Magnéto. Non, Fomba. Je suis con. Oui, pour moi. Bouchoirie est la star de cette équipe avec Crasso. Il y a ces deux joueurs et il y a les autres. Juste une remarque que je trouve très intéressante sur le chat, c'est Akitsuna qui nous dit que Wadji, il faut regarder le jeu sans ballon. Il a raison. Et il a raison, mille fois raison, parce que Wadji fait des appels de balles incessants, il court beaucoup sur le front de l'attaque. Et quand il y a un ballon en profondeur, même s'il ne peut pas l'avoir, il y va quand même, il va gêner les défenseurs. Et je suis d'accord avec toi, Thomas. Autant sur Fomba, franchement, je suis très dubitatif, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, c'est difficile de se faire une opinion. Mais sur Wadji, je pense que tu as raison de souligner le fait qu'il faut du temps d'adaptation. Le mec, il jouait dans un championnat, je ne me souviens même plus lequel. L'Azerbaïdjan. C'était l'Azerbaïdjan. T'imagines, t'es en Azerbaïdjan, t'arrives en Ligue 2 en France, le climat n'a rien à voir, l'ambiance n'a rien à voir, il faut quand même un petit temps d'adaptation. Tu veux réagir là-dessus? Je veux réagir sur ce que... Par contre, Fomba, il faut vraiment qu'il se muscle, hein, parce que... c'est Fomba, pire que Neyou, hein. Il est comme mon petit doigt. Pintor, à côté de Fomba, Pintor, c'est Hulk. Donc, Moi, je veux rebondir sur ce que vient de dire Thomas. Tu ne peux pas demander à Batles de faire un 11 de départ pour une continuité dans la fin de saison et de vouloir changer, comme tu dis. Alors, à un moment donné, on disait « Ouais, mais il change tout le temps, on n'a pas de stabilité. » Et là, tu es en train de me dire le contraire, Thomas. C'est ça que je ne comprends pas, en fait. Je pense que pour aller dans le sens un peu de Thomas, il faut faire attention à un truc. C'est pour ça que la gestion d'un groupe, c'est difficile quand tu es entraîneur professionnel. C'est qu'il faut éviter deux écueils, qui sont des écueils un peu contradictoires. D'un côté,
faut éviter les changements incessants parce que l'équipe ne trouve pas ses automatismes. Et en même temps, il faut éviter que les titulaires s'installent dans une forme de confort intellectuel qui fait qu'ils sont sûrs d'être titulaires. Non, mais là, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ils sont pas dans un confort intellectuel. Je sais pas. Il faut l'éviter, en tout cas. Il faut l'éviter. Mais moi, je le pense comme ça. Et après. Parfois, quand tu vois Crasso, tu vois. Il a un flegme. Il est comme ça. C'est son jeu. T'es d'accord avec moi? En fait, t'as dit autre chose, Hervé, sur Crasso. Tu l'as dit, il se bouge pas assez. Non, mais Crasso. Oui, c'est vrai. Crasso, c'est un bon exemple. Crasso, honnêtement, 13 buts, 11 passes décisives. Tu peux pas t'en passer. Il est au-dessus. Tu peux pas t'en passer. Un pénalty, tu as raison, Jean-Baptiste, et je l'avais dit aussi dans le débrief, un pénalty, ça va au fond. Quand c'est Bouanga, c'est raté, machin. Ce n'est pas de la loterie. Ouais. Voilà, c'est pas de la loterie. Voilà, ça va au fond. Donc Crasso est un titulaire incontestable. Et pourtant, sur le terrain, putain, tu as envie de le secouer un peu. Tu as envie de le mettre un peu plus tu as envie de lui mettre un peu plus de pression. Non, t'es pas d'accord, Henri? Non. D'accord. Non, parce que franchement, alors ce n'est que de la Ligue 2, certes, mais je me régale à chaque fois. Il fait un contrôle de balle. On a l'impression que c'est un bout de bois. Tout le monde rebondit dessus. Personne n'arrive à le prendre physiquement. Il garde le ballon. La talonnade qu'il fait en première mi-temps, il fait une talonnade pour mon conduit qui centre et Wadji rate son occasion. Au départ, c'est lui qui fait la talonnade. C'est vrai qu'il est le seul à pouvoir faire des gestes comme ça. Et je regardais hier le but de Nkunku contre Nîmes, le premier. C'est une balle en profondeur. Wadji l'a remis en une touche. Il la décale parfaitement sur Nkunku qui part à la limite du hors-jeu. Enfin, c'est superment bien joué. Il y a plein qui auraient fait un contrôle, il aurait été hors-jeu terminé. Oui, non, il a cette justesse technique qui. Mais tu trouves pas qu'il a un trait de sénateur quelquefois? Mais si, mais bien sûr. Mais c'est son style, ouais. Par contre, j'ai hâte de le voir. C'est un peu gonflant quand même. Quelquefois, il rate des passes, il rate des contrôles. Tu te dis putain, mais Jean-Philippe, concentre-toi un peu, quoi. On a l'impression qu'il est nonchalant, mais. Oui. Est-ce que c'est vrai? Il nous fait tellement du bien dans cette équipe, moi. Il est indispensable, c'est ce que dit Sim. Il a raison. J'ai hâte de le voir en Ligue 1, moi, par contre. Depuis qu'il a le brassard de capitaine, on l'a déjà évoqué. Il l'a plus, hein. Non, c'est Briançon maintenant. Il l'a eu quand Briançon n'était pas là. Depuis qu'il y a eu cette période où il l'a eu, moi je trouve que ça l'a responsabilisé. Vous parliez du jeu sans ballon de Wadji, mais pour Crasso, c'est la même chose. Je veux dire, même quand il n'a pas le ballon, il fait un boulot défensif et autre, il attire des joueurs. Il fait du boulot défensif, c'est vrai. C'est vrai, il défend. Après, est-ce que vous avez trouvé un changement en 2023 au niveau de l'entraîneur? Et pas, tu poses une question comme ça, ça nous laisse bouche bée. Moi, j'ai regardé les derniers matchs depuis janvier 2023. Oui, je suis assez d'accord avec toi, je vois ce que tu vas dire. Assis sur le banc de touche en décembre 2022. Je suis d'accord, il gueule maintenant. Et aujourd'hui, maintenant, il gueule contre les arbitres, il gueule contre les joueurs, il gueule contre tout le monde. Il est debout. Peut-être, ouais, c'est vrai. Il est souvent debout. Il est souvent debout. Et vous savez pourquoi? Moi, je l'explique. Non, parce qu'il t'a écouté. Regarde carton rouge. Laurent, tu as raison, Laurent. Et continue, Laurent. Je suis sûr qu'il nous regarde. Mais tu as raison, c'est vrai que maintenant, quand on regarde les retransmissions, on voit qu'il est sur le banc et il s'énerve et il gueule. Ce qu'on n'a jamais vu en début de saison. Quelle est la différence entre le début de saison et aujourd'hui? C'est qu'au début de saison, on prenait un but au bout de deux minutes. Donc il était comme ça tout le long du match. Mais non, au contraire, c'est à ce moment-là que tu dois le gérer. Mais il devait être désœuvré. Enfin, tu prends un but. Combien de fois on a pris un but au bout de deux minutes? Oui, parce qu'il savait qu'on avait perdu le match. C'était fini. Voilà, c'est tout. C'est ça. Jean-Baptiste, tu veux rajouter quelque chose? Laurent Batteux, t'as vu qu'il se levait plus ou pas? Oui. Non, mais ça, c'est. En fait, c'est complètement incroyable. On a connu un Batteux en début de saison qui était muet, qui était à la limite du. On avait vraiment l'impression que le type était là, mais tu vois, il était renfermé. C'est vrai que là, on sent qu'il est un peu dans une euphorie. Il râle, il est un petit peu plus là à faire des remarques. On l'entend là, le contre Bordeaux, on l'entendait donner des consignes. Non, écoute. Sur l'occasion de Wadji, quand il la rate, sa réaction, j'ai jamais vu réagir comme ça en début de saison. Hein. Non, il est vert de rage, il se retourne comme ça. Enfin, un entraîneur qui vit le match, quoi. Et comme dit Jaravon, ça s'appelle le mercato hivernal. Il a changé aussi, pense. Je pense qu'il a peut-être aussi compris que son groupe avait besoin d'être boosté pendant les matchs. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est plus le même, t'as raison. C'est plus le même. Très bonne remarque, Lionel Hervé. Thomas, tu rajoutes quelque chose avant qu'on passe à la deuxième partie de notre émission? Oui, tout à l'heure, tu as évoqué le cas du gardien Larsonneur. Moi, j'aimerais évoquer le cas du gardien remplaçant Boubacar Fall. Parce que on a failli voir ce dossier entrer dans notre actualité. Vous avez vu qu'à un moment donné, on a eu peur que Larsonneur se blesse sur un dégagement. Il a semblé avoir mal à l'adducteur ou je ne sais trop quel muscle. Et du coup, tout de suite, donner les consignes à Boubacar Fall, on lui a demandé de s'échauffer.
Et là, on a pris la pleine mesure que notre goal remplaçant aujourd'hui, c'est Boubacar Fall. Est-ce que tout ceci est vraiment sérieux? C'est-à-dire que là, l'Arseneur se blesse, ça veut dire qu'on termine la saison avec Boubacar Fall. Moi, encore une fois, cette séquence montre pour moi le gâchis du cas Étienne Green. Que Étienne Green ne soit pas titulaire, je peux l'entendre, mais comment peut-on gâcher un tel actif? Parce qu'il commençait à devenir un véritable actif en tant que valeur financière pour la SS. Ce joueur est encore sous contrat avec nous, je crois, jusqu'en fin 2025. 2025. Je trouve qu'on se tire une balle dans le pied à briser ce joueur en ne le mettant même pas gardien en fait, remplaçant. Si tu veux, Laurent Batlos l'a pris en grippe. Je pense que c'est ça le truc. Ça. Il a pris en grippe le public. Le public stéphanois, une partie l'a pris en grippe aussi. Si tu veux, je ne peux pas l'expliquer autre chose. Et on ne parle même pas de Dreyer, qui n'est plus du tout sous les radars non plus. Oui. Qui est sous les radars, dont on ne parle plus. Après, Thomas Fall, je ne sais pas ce qu'il vaut comme gardien. C'est la question que vous avez posée. Tu connais Fall? Moi, j'ai confiance en lui, en tout cas. T'as confiance en Fall? Ouais, parce que même si je ne le connais pas, moi, il m'a trouvé rassurant le match qu'il a fait. Alors, quand on fait un partout, c'était contre Caen. C'est qu'un match, mais je ne l'ai pas trouvé plus mauvais que derrière ce match-là, ou Green, bon. Mais je ne connais pas. Donc, moi non plus, c'est vrai que c'est compliqué, mais voilà. Bah, Thomas, vas-y, du coup. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'Étienne Green, on l'a vu quand même au firmament à une époque. Malheureusement pour lui, il s'est illustré de mauvaise façon à un moment donné où l'équipe n'était pas bien du tout. Aujourd'hui, alors peut-être pas avec le même niveau que l'Arseneur, mais je demanderais à avoir Étienne Green dans cette équipe, avec une défense stabilisée. Je suis d'accord, sûr que ce garçon est à un niveau qui mériterait qu'on fasse de lui un gardien remplaçant. Ce qui est cruel dans le foot moderne, si tu veux, c'est que en fait, à un moment donné, t'as des circonstances qui font que ta carrière est accélérée ou elle est arrêtée. Tu prends l'exemple de Seydou Sow ou tu prends l'exemple de Thomas Monconduit. Il rentre dans le 11 sur le fait de blessure, tu vois. Et à ce moment-là, l'équipe enchaîne des résultats. Elle enchaîne des victoires. Donc l'entraîneur ne veut plus changer son équipe. Sûr, ça marche comme mais Seydou Sow s'entraînait avec la réserve en début de saison, à un moment donné. Il ne voulait plus de Seydou Sow dans le groupe professionnel. Et maintenant, Seydou Sow est un titulaire quasiment indiscutable. Étienne Green, si tu veux, il a fait des mauvais matchs, il a fait des erreurs, de grosses erreurs, ces deux sorties sur carton rouge, au mauvais moment, qui ont cristallisé finalement toutes les critiques en disant « mais c'est de sa faute, il n'est pas au niveau ». Il a perdu confiance. Après son premier carton rouge, je le redis une dernière fois, puis après je ne le redirai plus, mais quand il est sur le point de revenir, qu'il a purgé ses deux matchs de suspension en conférence de presse deux jours, comme il fait toujours hein, Laurent Batlos, deux jours avant le match, il y a un journaliste qui lui dit « mais qui sera dans les buts? Alors c'est Dreyer ou c'est Étienne Green ?» Et là, au lieu de dire « c'est Étienne Green, c'est lui le gardien titulaire », il dit « je ne sais pas, on verra ». Et il le met Étienne Green. Il y a quand même un jeune gardien, de le mettre en confiance. Là, un bon entraîneur aurait dit, c'est ce qu'a d'ailleurs a dit Christophe Galtier à propos de Donnarumma et de Navas, quand Donnarumma a fait une connerie en conférence de presse, ils ont dit, mais alors, c'est Donnarumma le titulaire? Il a dit, mais je ne change pas d'avis parce qu'il y a une erreur de fait. Ce qu'aurait dû dire Galtier, c'est dire, écoutez, Étienne Green, c'est le gardien numéro un, il a fait une erreur, il est jeune, il apprend, mais il a toute ma confiance. Tu dis ça, si ton entraîneur te dit ça, tu reviens sur le terrain, tu es un peu plus en confiance que, je sais pas, on verra, c'est pas sûr que ce soit lui qui soit titulaire. Donc je pense que le dossier a été mal géré, mais quand l'Arseneur arrive et qu'on enchaîne les bons résultats, évidemment, le débat est clos. Là où tu as raison, Thomas, c'est que je pense qu'il mériterait quand même d'être remplaçant, je pense. Ouais. Voilà. Parce qu'il est quand même international espoir avec les Anglais. Et justement, pour rebondir là-dessus, je pense qu'un Étienne Green, dans 2-3 ans, on le retrouve dans un grand club européen. Moi, c'est tout le mal que je lui souhaite. Les amis, on passe à la deuxième partie de notre émission. Pensez bien à liker la vidéo. On est 300 en direct. Merci beaucoup de votre présence, amis. Ouais, merci. Merci à tous. Ça fait très plaisir de vous voir aussi nombreux. Mais likez la vidéo, vous voyez, 300, on n'a que 150 likes. On peut mieux faire, hein? On peut mieux faire, les gars. Oui, d'accord. On peut mieux faire. Bon. On va le faire, d'ailleurs. C'est ça, on va le faire, nous. Ça y est, vous avez déjà fait. Deuxième partie de l'émission, c'est « Et maintenant ?» point d'interrogation. Je vous donne... Alors, Jean-Baptiste, tu as eu raison de rappeler qu'on n'était pas tiré d'affaire. Je redonne quand même le classement. On est 13e aujourd'hui, on a 31 points. Le premier relégable, c'est Dijon, 26 points. Donc, on a 5 points d'avance. On reçoit Amiens. Après, on va se déplacer au Havre, mais on a d'autres matchs qui sont beaucoup plus faciles. On va recevoir, par exemple, Niort à domicile. Niort qui est dernier. On va pouvoir essayer de gagner ce match. Si la saison se termine, qu'on ne joue pas autre chose que le maintien, hein, soyons clairs. Mais comment gérer cette fin de saison, d'après vous? Par exemple, la question de Thomas tout à l'heure en disant si le maintien est assuré mathématiquement, c'est peut-être intéressant de faire rentrer des jeunes pour préparer l'avenir. Est-ce que c'est le moment de les tester? Est-ce que sur l'effectif, aujourd'hui... Alors, j'ai plus en tête ceux qui sont prêtés, ceux qui... Cafaro est prêté, je crois. Nkunku est prêté. Il y a des options d'achat. Il y en a qui sont sans option d'achat.
Crasso, par exemple, est-ce qu'on a une chance de le garder ou pas? Voilà, on va commencer avec Crasso peut-être. Henri, est-ce que tu penses que Crasso, on a une chance de le garder en se maintenant en Ligue 2? Moi, je lis que la presse, hein, j'ai pas d'autres contacts. Visiblement, il n'est pas non plus fermé à l'idée de re-signer. Bon, évidemment, il faut sauter sur l'occasion, mais il faut le payer à juste titre. Il est meilleur buteur de Ligue 2, meilleur passeur. Je crois que Mikotadze est passé devant, mais à quelque chose près, c'est ça. Il faut le rémunérer, quoi. Donc, oui, il faut le garder, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il voudra, c'est autre chose. Ouais, sur la prolongation de contrat, Charbonnier arrive avec 100 000 euros par mois, a priori. Ouais. Lui, on lui a proposé une prolongation de son contrat alors qu'il est meilleur buteur de Ligue 2. Je crois qu'on lui a proposé 25 000 par mois. En début de saison. Bon, voilà, super. Quelle erreur. Ah ouais, mais le gars, il dit, vous êtes gentil, mais c'est bon. Ouais, on a une chance de le garder, toi? Tu voulais rajouter quelque chose, Henri, peut-être? Après, ouais. sur la fin de saison? Sur les jeunes. Après. Ah, sur les jeunes. On parlera des jeunes après. Sur Crasso, peut-être. On fait un petit tour de table sur Crasso. Non. Tout le monde dit qu'il faut absolument le garder, priorité obligatoire. Oui, mais, voilà, bien sûr, il faut le garder. Mais tu crois pas qu'il va signer? Non, mais non. Thomas, il va rester Crasso ou pas? Non. Bah, c'est, je pense que c'est pas un problème financier, parce que si on a donné 100 000 euros à Charbonnier, on peut lui donner à lui, donc on peut trouver une solution à ce niveau-là. Pour moi, le nerf de la guerre, ça va être le challenge sportif. Ah. Il est évident que si, parce que dans sa carrière, tu parlais de coups d'accélérateur tout à l'heure pour certains joueurs, ça voudrait dire que lui, qui s'était déjà programmé pour jouer en Ligue 1 cette saison, faut pas l'oublier ça. Il voulait rester avec Ajaccio pour jouer en Ligue 1. Hein. Oui. Donc, si une bonne écurie de Ligue 1 vient le chercher, et franchement, avec ce qu'il nous montre, il aura forcément des propositions. Ouais. Moi, je pense malheureusement qu'on va perdre Jean-Philippe Crasso. Jean-Baptiste ? Oui, je pense que ça va être très compliqué pour garder Crasso, bien sûr. Tout à fait d'accord avec Thomas. Eh bien, moi, je suis d'accord avec vous tous. On a, je vous le dis, aucune chance de garder Jean-Philippe Crasso. Mais quand je vous le dis aucune, c'est aucune. Oui. Il est en fin de contrat. Ça veut dire déjà que lui peut négocier une prime à la signature avec son nouveau club. Alors là, la SS pourrait lui dire, bah, si tu re-signes, on te verse une prime à la signature. Mais déjà, rien que ça, déjà, voilà. Et le deuxième point, c'est que quand tu es un joueur de Ligue 2, ton rêve, c'est de jouer en Ligue 1. Tu ne dis pas, ah, je vais faire le tu fais ce pari si tu es en fin de carrière, si tu es charbonnier, tu te dis, bon, bah, je vais participer à une épopée pour remonter Saint-Etienne, un club mythique, ok. Mais si tu as encore quelques années devant toi, tu veux jouer en Ligue 1. Le mec, il est meilleur buteur de Ligue 2, mais des clubs de Ligue 1 qui vont lui faire des propositions, mais la moitié des clubs de Ligue 1, Ligue 1 du Brest, ou l'Angleterre, je te parle pas évidemment de Paris Saint-Germain ou Marseille, il sera pas titulaire à la pointe de l'attaque de Marseille, mais tu prends des clubs comme Brest, Clermont, Strasbourg, enfin on peut tous les prendre, ils prennent Crasso dans leur effectif demain matin, il n'y a pas d'indemnité à verser, et lui, bien sûr qu'il a envie de jouer en Ligue 1. Je pense en plus qu'il a le niveau. Il ne sera pas meilleur buteur de Ligue 1, mais il plantera des buts. Donc, il faut dire, on n'a aucune chance. Ce dossier a été très mal géré. À la décharge des dirigeants, parce que là, c'est facile de dire, il n'y a qu'un faucon. On m'aurait demandé s'il fallait prolonger Crasso il y a un an et demi. Ouais, c'est vrai. J'aurais dit, parce qu'on l'a taclé un Crasso. Et Thomas, tu n'étais pas le dernier à tacler Crasso, hein, quand même. Hein. On a distribué des tartes. Jamais. Je dément formellement. Et on l'a taclé, hein, Crasso. Mais non, on a aucune chance. On a aucune chance. J'ai quand même trois petits espoirs, on va dire, qui me font croire que Crasso peut signer. D'une, il est assez jeune finalement. Donc il peut peut-être se permettre et se dire lui-même, je peux patienter encore un an et monter et faire une montée en Ligue 1 avec Saint-Etienne, ça serait formidable. Ça peut être un argument. Deuxième chose, je crois qu'il vient d'être papa à Saint-Etienne, visiblement, et que bon, peut-être que ça jouera pas, mais il s'y plaît beaucoup de ce qu'il disait. Il est capitaine dans cette équipe. Et troisièmement, je crois en l'homme, en lui-même. Je le sens investi et je me dis qu'il peut peut-être signer. C'est intéressant ce que tu dis sur le investi, parce que c'est vrai que sur le terrain, il triche pas. Souvenez-vous, parce que on dit quand même quelquefois beaucoup de bêtises aussi sur Carton Rouge TV. Il faut savoir le reconnaître. Comme tout le monde. Hein. Bah ouais, on se plante. On se plante et quelquefois même on est suspicieux et quelquefois on fait preuve de mauvais esprit et de mauvaise foi. Mais moi, je m'étais dit, mais Crasso, sur la deuxième partie de saison, sachant qu'il est en fin de contrat. Il va jouer avec le frein à main pour éviter de se blesser. Pas du tout. Parce que s'il se pète la jambe là, au mois d'avril, son transfert en Ligue 1, il est mort. Et, alors, sur le terrain, il a son train de sénateur, nonchalant, etc. Mais franchement, il ne triche pas. Non. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il triche. C'est ce qui me fait croire au bon caractère qu'il peut avoir et qu'il montre. Et même dans les vestiaires, quand on voit les vidéos du club, on le sent. Voilà, il est investi.
J'y crois, moi. Il y a Junior qui dit, mais mettez-vous à sa place, vous feriez quoi? Eh ben moi, je pars. Hein. Enfin, je veux dire, je laisse le côté affectif de la Saint-Etienne, mais si tu es joueur professionnel et que tu peux jouer en Ligue 1, tu pars jouer en Ligue 1, c'est clair. Mais Pavlovic. Bah Pavlovic, il est au top physiquement. Il est bien. Bah, c'est notre ami reste de la défense. C'est le joueur que tu fais signer. Le il mec. Joue, il jouera jamais. Non, bien sûr. Ah, il peut y jamais. Avoir des blessures après en central. Voilà. Hein. Ouais, bah, il y a Nadé Girondon qui sont devant lui quand même. Je pense que je le préférerais à Girondon, même si je l'ai pas vu jouer. Bah, ça, on a toujours une recrue à la con dont on ne sait pas quoi faire. C'est en ça. Fait, ça fait partie du quota. Je sais pas combien on le paye. Sur l'avenir de la Saint-Etienne, donc imaginons qu'on arrive là, on bat Amiens, on bat Niort, et puis du coup, on gère la fin de saison tranquille. La question que posait Thomas tout à l'heure sur les jeunes, est-ce que oui ou non, Henri, c'est une bonne idée? Je ne sais pas qui on a comme jeune dans le centre de formation. Qui connaît bien le centre de formation aujourd'hui? Est-ce qu'on en a encore ou pas des jeunes? J'ai fait. Je suis allé voir la deuxième mi-temps de Clermont AS Saint-Etienne en National 3. Donc c'était samedi, pendant le match de l'équipe 1. Et j'ai donc victoire 3-2 des Verts. Hein. Clermont qui était deuxième et Saint-Etienne cinquième. Donc c'était un match que personne ne voulait perdre. Et d'ailleurs, si on peut voir les images un jour, je vous conseille d'aller voir le but de Louis Mouton. Le troisième but, c'est un lob du milieu de terrain magnifique. Mais à part Louis Mouton, j'ai pas vu grand-chose. Voilà. J'ai cru comprendre, il y avait un ancien joueur j'étais côté staff de Saint-Etienne, il y a un ancien joueur qui est passé par Sedan, vous connaissez très bien, qui est dans le staff actuel. Il disait que Namri commençait vraiment à nous gonfler, voilà. Ah oui. Donc oui, parce qu'il s'est pris la tête, voilà. Donc Namri, je pense qu'il est blacklisté à mort, surtout qu'il est pas formidable. Et puis derrière, c'est pas fameux. Tu vois, ce que tu dis là, moi c'est un truc, franchement, c'est un truc qui m'exaspère. C'est-à-dire que non mais pas toi, ces joueurs là, ces joueurs. Oui. Qui n'ont rien prouvé. Et ça c'est du battleless. Les mecs n'ont rien prouvé. Namri n'a rien prouvé. Quand on voit Bakayoko qui part au puits en national, il part au clash, monsieur, parce qu'il n'est pas content de son sort, je ne sais pas, ça ne lui va pas. Quand tu regardes Charabi, qui a été écarté du groupe, putain, mais t'es un joueur de 21 ans ou 22 ans, tu fais tout pour revenir dans le groupe, il arrive bourré à l'entraînement. Alors maintenant, il est arrivé bourré à l'entraînement, oui, Charabi. Mais les mecs, ils ont quoi dans la tête? Enfin, c'est quand même une génération. C'est-à-dire que, mais on le sait, hein, quand t'as une génération de joueurs qui gagnent la Coupe Gambardella, il y en a très peu, il y en a 3 ou 4 qui vont être capables de se hisser au très haut niveau. C'est du Saliba, Fofana, peut-être Gourna. Mais les autres, en fait, putain, mais c'est pas possible. Ils ont rien dans la tête, les mecs. Ça prouve que Namri, qui a eu l'occasion de se faire une place en équipe 1, qui derrière se met tout le monde à dos parce que je sais pas quoi sa mentalité, c'est désespérant. C'est qui jouait dans les bulles? Alors, c'était ni Green ni Dreyer. C'était un petit jeune qui était plutôt bon et je ne connais pas son nom. Ça doit être le cinquième. C'est le sixième gardien. 19 ou 20 ans. Il y a des noms qui circulent. Il y a Saban, Léry, tout ça. Qu'est-ce que Saban ça devient? Saban a joué, Sidibé a joué. Et le gardien, si quelqu'un l'a, je veux bien son nom. Je n'en ai aucune idée. D'accord. Hervé, les jeunes, alors, du coup, toi, tu crois pas non, du tout? Non, pas du tout. On a surfé sur la gare Mandela, comme tu dis, sur 2-3 joueurs. Oui, il y a Mouton, comme vient de dire Henri, mais après le reste, non, il va falloir qu'on recrute. Maintenant, les jeunes, quand tu leur dis tu veux signer où? À Saint-Etienne, à Auxerre, à Clermont, à Marseille ou à Paris, ou à Lyon, c'est vite vu. Sur les 6 clubs que je viens de citer, il n'y aura ni Clermont, ni Saint-Etienne, ni Auxerre, ça sera les autres clubs, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a des difficultés, même dans la région stéphanoise, je pense qu'il y a des bons jeunes, mais le problème, c'est qu'ils partent tout de suite. Il part tout de suite et celui qui intègre le Saint-Etienne en poussin, pupille, minime, cadet, pas sûr qu'il reste et puis c'est très compliqué pour faire une carrière professionnelle. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Henri, mais c'est... On arrive à tirer un peu de jeunes, mais dans les catégories très basses. C'est compliqué. Quoi. De toute façon, Buenas, le gardien, là. Nous dit Esteban. Nicolas Buenas, le gardien de la N3. Merci Esteban. Ouais, c'est vrai. On applaudit Esteban. Bravo. Ah, le fast checker en direct. Aiki, ouais, c'est un mystère. Perdu. Je pensais qu'il jouait. Non, c'était même pas lui. C'est ce que j'ai blessé ou pas? On sait pas ce qu'il est. Parce qu'il était pas mal, lui, quand même. Non? Moi, je trouvais pas mal. Gauthier a joué, oui. Otman. Rivera, au puits, il a marqué un très beau but récemment, là. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais Rivera, lui, par contre, il joue avec le puits. Il fait pas la tête, quoi. Il s'est pas mis tout le staff. Lui, il est prêté, donc ça veut dire qu'il peut revenir. Il nous aurait fait du bien, Rivera, je pense. Je pense aussi. il a eu du temps de jeu. Il en a pas profité. Oui, c'est ça. C'est bien qu'il joue au puits, parce qu'à Saint-Etienne, il n'aurait pas eu beaucoup de temps de jeu. On est en train de parler. Jean-Baptiste, tu viens de parler de Rivera.
excusez-moi, je me suis étouffé. C'est pas des conneries. Non, c'est pas possible. Rivera, au puits, très bien. Au puits, c'est une star, mais pas un des tiennes. Il nous aurait fait du bien en rentrant. Oui, mais non, mais non. Jean-Baptiste, les jeunes. Alors avant, j'aimerais m'assurer de la santé d'Hervé. Tout va bien. Tout va bien, ça va mieux. Bon, parfait. Alors non, les jeunes, stop, c'est fini. On a, pardon pour les jeunes. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut leur donner leur chance, qu'il faut les faire évoluer, leur donner du temps de jeu. On a vu où ça nous a mené. On a failli tomber dans un gouffre insurmontable. Le club, il y a encore quelques semaines, on parlait de disparition de la Saint-Étienne parce qu'on a donné les commandes, pratiquement les pleines commandes à la jeunesse, surfant sur cette gambardella qu'on a gagnée, qu'on a méritée. Mais là, il nous faut des cadres, il nous fallait des cadres et on a récupéré quelques cadres de Ligue 2 qui sont en train, grâce à ce mercato d'hiver dont on peut éventuellement encore critiquer les aboutissants, en train de nous sauver. Donc non, les jeunes, stop. Pour le moment, stop. Thomas, parenthèse, stop les jeunes. Stop les jeunes. Bien sûr que oui, il faut des jeunes. Mais bien sûr que oui. Mais je suis estomaqué de vous entendre parler comme ça. On n'est pas en train de parler d'un club de Ligue 1 qui lutte pour ne pas descendre. On est en train de parler, moi je vous parle d'un club de Ligue 2 qui, une fois qu'il aura assuré son maintien, doit bien sûr, en vue de préparer la saison prochaine, intégrer quelques jeunes pour voir s'il peut compter sur eux. Mais bien sûr que oui. Et quand Patrick Guihou dit qu'il faut préparer la saison prochaine, moi je pense qu'il a aussi, alors peut-être commencer à regarder sur le mercato, faire venir des nouveaux renforts là où on a besoin, sécuriser des contrats qui sont sur le point de se terminer. Mouefek, par exemple. Mais des joueurs qu'on a vus l'été dernier, qu'on fait la prépa, qu'on avait vu justement face à Bordeaux à Vichy, Antoine Gauthier, il a fait une super préparation de saison l'été dernier. Antoine Gauthier, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Je suis d'accord sur Gauthier. Darnell Eric Bill, même si visiblement il a eu des problèmes il a été pas très correct sur un terrain de foot, il a été sanctionné, visiblement il a du ballon, donc bien sûr que oui, à partir du moment où on aura assuré le maintien, bien sûr que oui, il faut s'appuyer sur cette jeunesse, et pour le coup c'est pas un cadeau d'être en Ligue 2, mais pour ça précisément je trouve que c'est plutôt une chance. Pardon. Non, mais vas-y. Non, mais par contre, tu vois, pour rebondir ce que tu viens de dire, est-ce que tu viens de dire Thomas, Jean-Baptiste. Aujourd'hui, c'est des. Enfin, je sais pas. On en a parlé un peu en off. Il y a des années en arrière, Henri, quand on suivait un peu la Ligue 2. C'est des charognards qu'il faut. Mmh. C'est pas des jeunes. Thomas, tu ne peux pas monter de Ligue 2 en Ligue 2 en Ligue 1 avec des gamins. Non, c'est pas possible. C'est pas ce que je suis en train de dire. On parle de la fin de saison. Comment on finit la fin de saison? C'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, je dis, il faut profiter à partir du moment où on n'a plus rien à jouer. Il faut profiter de cette fin de saison pour voir si on pourra s'appuyer sur ces jeunes l'année prochaine. D'accord. Donc, moi, la réponse, elle est non. Parce qu'on va finir en roue libre. Donc, on va finir dans le ventre mou du classement, ce qui est normal, il n'y a pas de souci. On est sauvé, je suis d'accord avec toi. Tu fais rentrer des jeunes, donc on ne va pas prendre de points. Ils ne vont pas évoluer. Et les gens qui sont venus chez nous pour peut-être faire monter la Saint-Etienne l'année prochaine en Ligue 1, tu en fais quoi, du coup? Tu les mets sur le banc de touche? Non, mais en fait, si tu veux, Squatty, tu n'étais pas là au début. Il y a Squatty42 qui dit « Vous crachiez sur Crasso ». Il y a un an et maintenant c'est la star de l'équipe, donc ne jugez pas les jeunes. On l'a dit tout à l'heure, Squatty, t'es arrivé en cours d'émission, mais on a fait notre auto-critique exactement sur Crasso, puisqu'on l'a dit tout à l'heure. Non, moi je veux un point par rapport à ce que dit Thomas. Évidemment, il faut se positionner dans le cas où on se maintient, c'est-à-dire que le maintien est assuré. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui la question se pose pas. On a besoin effectivement des guerriers sur le terrain pour aller chercher les points. Mais si le maintien est assuré, se dire que du Antoine Gauthier, ces joueurs-là qu'on a un petit peu vu, leur donner un peu plus de temps de jeu pour voir si oui ou non on peut compter sur eux pour l'avenir, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Et puis il y a un autre point quand même, les amis, qu'on oublie un peu, mais qui pourtant est essentiel dans le modèle économique de l'AS Saint-Etienne tant qu'on n'a pas un gros actionnaire avec beaucoup d'argent. C'est que si on n'avait pas eu nos jeunes, Fofana, 45 millions d'euros, je crois, un truc comme Saliba, 35 millions d'euros, Gourna, 15 millions d'euros, ça aurait été le dépôt de bilan. Hein. Non, mais sur une décennie, Flavien, t'en as pas 10, t'en as 3. Ouais, mais il faut absolument qu'on continue à sortir des jeunes, sinon, économiquement, ça tiendra pas. Donc, sur une demi-saison ou un quart de saison, les 5-7 derniers matchs qui restent, tu dis, allez, je titularise du Gauthier, de ce que tu veux, pour tester un peu ce que ça vaut derrière.
Moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée, mais encore une fois, il faut qu'on se maintienne. C'est parce ça. Que sinon, effectivement, c'est, ça, la question se pose par Henri. Oui, ben, moi, Thomas, je suis totalement d'accord avec toi. Oh, bah. Non, mais l'idée elle est effectivement juste. Il faut faire jouer les jeunes. Mais il faut qu'ils animent, les jeunes. Voilà, on est bien d'accord. Ils l'ont pas. Je suis sûr, enfin, j'en sais rien, mais on demande à Neder, là, en N3, qui peut jouer en Ligue 2, à part Louis Mouton et peut-être un autre. Gauthier, moi je pense que Gauthier a le niveau. Moi je n'ai pas trouvé bon contre Clermont, mais en même temps je n'ai pas vu tous ces matchs. Mais je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup qui aient le niveau Ligue 2. Hein. Mais vraiment pas. Hein. Cette vraiment, N3, vraiment. Cette N3, quand tu l'as vu jouer, elle ne t'a pas impressionné. Peut-être non. Que Clermont était bon. Synthé était meilleur. Synthé était meilleur. Après, encore une fois, j'ai vu qu'une mi-temps. Enfin, je peux pas. Oui. C'était un synthétique, il y avait du vent. Bon. Oui. On ne peut pas se faire un avis là-dessus. Mais je ne suis t'as pas certain. T'as vu au-dessus du lot quand même. Qui a bien joué. Pas franchement au-dessus du lot, mais qui a fait un bon match. Ouais. Et qui a marqué un beau but. Et qui a marqué un sacré but, je vous le conseille. Voilà. On va passer. Oui, vas-y, Thomas. Les gars, soyons sérieux. Je vous mets dans le contexte. Il reste 5-6 matchs à jouer. On est maintenu. La saison est bouclée. On n'a plus rien à espérer dans un sens comme dans l'autre. Il reste 5-6 journées. Devant, vous préférez voir Bamba, qui est un prêt sec, dont on sait qu'il va retourner à Nantes. Ou vous préférez qu'on fasse tourner du Hotman, du Aiki et tous les autres? Oui, t'as raison. Mon choix est fait. Oui. À un moment donné, je suis désolé pour lui, mais un Bamba, il va falloir qu'il termine sur le banc et qu'il peut-être même plus sur dans la feuille du groupe, quoi, dans le groupe de départ. Et idem pour bon Pavlovic. Je pense que ce gars, Pavlovic, c'est terrible pour lui, mais jamais on ne le verra. Parce que même s'il finit par trouver le niveau, je pense qu'il le trouvera trop tardivement dans la saison. Et je veux croire qu'à un moment donné, on se dira, à quoi bon donner du temps de jeu à ce mec qui va se barrer dans 2 mois? Non, mais alors, il y a Squatty, là, je veux rebondir sur ce qu'il vient de dire. Squatty, il dit qu'à Bordeaux, il n'y a que des jeunes. Eh bien, écoute, Squatty, on met tous nos jeunes de Saint-Etienne, on ne recrute pas Charbonnier, on n'a pas Crasso, on n'a pas Larsonneur, on n'a pas tout ça. Eh bien, Saint-Etienne est en national aujourd'hui. Je te l'annonce direct. Parce que Bordeaux, ils ont une génération derrière qui a bien fonctionné. C'est vrai qu'ils n'ont pas de stars, ils n'ont rien. Mais ça a pris. Donc, c'est assez miraculeux d'ailleurs. C'est miraculeux. Donc ils sont en train de jouer la montée. Très bien, Squatty, il n'y a pas de problème. Par contre, tu fais ça à Saint-Etienne, le club il est mort. Hein. Ouais. Henri, on est d'accord. Certain. Attention, les gars, moi j'insiste, je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on fasse jouer tous les jeunes. Non, mais j'ai bien compris, on a bien compris. On parle plus tard dans la saison. Sinon, je vous rejoins un petit peu, justement, tous ces jeunes à Bordeaux, est-ce qu'ils vont avoir, parce qu'aujourd'hui on loue leur performance, mais est-ce qu'ils vont avoir le mental pour tenir jusqu'au bout, notamment quand la pression va monter crescendo, et peut-être que Bordeaux va terminer troisième, et qu'ils vont se dire, merde, il nous a manqué un petit peu d'expérience. Oui. Il y a Giravoum qui dit sur le chat, on a gratté 85 millions grâce à Puel. Pas du tout, puisque Saliba est parti avant que Puel n'arrive, le transfert a eu lieu avant, et que Fofana était au club avant que Puel n'arrive, et que Gourna était au club avant que Puel n'arrive. Oui, donc on peut rendre à Puel Neyou, ça c'est vrai, c'est lui. On peut rendre à Puel Aouchich, ça c'est lui. Et je sais de bonnes sources. Non mais je sais de bonnes sources. Je ne vous donnerai pas ma source, mais quand je dis quelque chose, c'est de très bonnes sources. Je sais de bonnes sources que, y compris dans l'entourage proche de Claude Puel, dans son staff, personne n'a compris pourquoi il s'était acharné sur Aouchich, pourquoi il avait tant misé sur Aouchich, puisque tout le monde considérait qu'il n'avait pas le niveau. Pourtant, voilà. Il est titulaire indiscutable à Lorient en ce moment. Tu parles, il rentre jamais. Il est remplaçant, il n'a rien. Même dans l'entourage de Puel, ils n'ont pas compris Aouchich. Le seul bon recrutement de Claude Puel, c'est Jean-Philippe Crasso, et on le reconnaît puisque c'est lui qui l'a fait venir à l'issue d'un match de Coupe de France. Voilà, pour être tout à fait honnête. Il y a quelqu'un sur le chat, et on va passer au carton rouge, au carton vert, mais il y a quand même un message qui est passé tout à l'heure, je l'ai vu passer, je l'ai retenu, et qui nous rappelait que Bernardoni en est à 58 buts encaissés pour le moment. Paul Bernardoni. Et que c'était notre gardien qui était censé assurer notre... Magia. J'ai regardé son dernier match, il est toujours aussi nul. Hein. À Paul Bernardoni. Mais comment ça se fait ? Paul Bernardoni choisi par Pascal Duprat, il a sorti Étienne Green pour mettre Bernardoni. Non mais Bernardoni, à Angers, vous regardez ses matchs, c'est effrayant. Et le gars, il joue en Ligue 1, quoi. Et il joue en Ligue 1, mais pas pour longtemps, là, pour le coup, parce que ouais, ça, ils sont en Ligue 2. Allez, on passe au carton rouge, au carton vert. Juste avant, Fabien, désolé. J'ai rencontré un supporter saint-étienne cet après-midi, Nicolas, il se reconnaîtra. Il m'a dit si on n'avait pas eu les 3 points de pénalité de début de saison. Et si on avait eu les 3 points contre Sochaux qu'on devait avoir aussi, parce que Sochaux, on a merdé. Et... Ah, si, Henri. Ouais, mais Grenoble aussi, alors dans ce cas. Et puis, non, mais voilà, juste Nicolas m'a dit juste ces deux trucs, les 3 points début de saison et Sochaux.
on serait à, on est à 31, on serait à 37. Du coup, on aurait pu aller gratter un peu plus et voilà. Eh oui, on serait presque sauvé. Ouais, on serait sauvé. Mais on a 23. Non, vous en pensez quoi, Thomas, t'en penses quoi? Moi, j'en pense que tu as carrément raison. Et c'est ce que tu veux dire. Non, c'est pas moi, c'est Nicolas qui a raison. Pour moi, Flavien n'a pas compris ce que tu voulais dire ou que tu fais mine de pas comprendre. À mon avis, tu veux dire bien plus que ça, Hervé. Tu n'es pas en train de nous dire, bah oui, avec 3 points de plus, on serait sauvé. Je veux espérer que tu es en train de nous dire qu'avec 3 points de plus, on pourrait encore rêver et que tout serait possible. Bien sûr que oui. Il reste 12 matchs. Mais non, Thomas. Distribuer. Non, c'était pas possible. On l'a trop mal démarré. On va jouer pas mal de toutes les confrontations qui viennent, hormis Niort, quelques équipes que tu as mentionnées. On joue maintenant des qui sont devant nous. Ouais, moi, j'ai hâte de voir ça. Ouais, ça va être intéressant. Avec trois points en plus qui nous ont été volés, il faut le dire, avec ces 3 points qui nous ont été volés, je pense qu'on pourrait encore un petit peu rêver. Bon. Si vous n'aviez pas eu Claude Puel ou Dick Zella, on serait en Ligue 1, c'est tout simple. Voilà. Allez les amis, au carton rouge et au carton vert. Je remercie Yvon Colo qui m'a envoyé des cartons rouges et des cartons verts. Je les ai pas ici, c'est quand même incroyable. C'est dommage. Je devais les sortir pour la première fois, ils sont restés à la maison, c'est moche. Mais merci à Yvon qui m'a envoyé les cartons rouges et les cartons verts. Vous connaissez le principe. Vous pouvez mettre aussi sur le chat, les amis, votre carton rouge si c'est évidemment quelque chose qui vous a agacé, un carton vert si c'est un coup de cœur. Et on va commencer par qui ? On va commencer par Jean-Baptiste, par exemple. Jean-Baptiste, est-ce que c'est du rouge ? Est-ce que c'est du vert que tu nous sors ? Non, je suis fidèle à mon carton vert. Fidèle, tu vois. Fidèle à mon carton vert pour nos Amazones et nos filles. Je suis un perpétuel fan de nos filles. Je publie sur la page Info des Verts les résultats de nos féminines. Magnifique. Qui brillent et qui sont invincibles, encore une fois, en D2. Et je ne cesse de les féliciter. C'est pour ça que sur Info des Verts, on a décidé de traiter l'actualité des filles au même titre que celle des garçons. Et on va essayer d'accentuer cet effort encore. Bravo, tu as combien de personnes qui suivent ta page Facebook, Jean-Baptiste, Info des Verts ? T'en es à combien ? Si vous n'êtes pas abonné à Info des Verts, partenaire de Carton Rouge TV, on est à un peu plus de 58 000. Allez, un petit peu plus. Voilà. Bravo. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Twitter et Instagram, évidemment, partenaire de Carton Rouge TV, et on en est très, très fiers. Bravo, voilà. C'est une belle aventure, Info des Verts. Donc les Verts vont monter en Ligue 1, c'est ça ? Oui, a priori, là, sauf retournement de situation, les Vertes devraient regagner la D1 Arkema. Bon, très bien. Ouais, parce qu'elles sont le deuxième, qui est Marseille, de mémoire, doivent être à 5 points, c'est ça ? Exactement. Et on a gagné chez elles 3-2, il me semble, il y a un mois ou deux. Match incroyable. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, un grand coup de chapeau à nos Vertes dans le groupe B, qui caracole en tête, 42 points invincibles, et l'OM derrière, 37 points, donc voilà. Il n'y a que la première équipe qui monte. Hein. Et effectivement, il y a deux groupes. Ouais, okay, il y a le groupe 1 et dans le groupe 1, c'est le LOSC qui est en tête avec 31 points et nous, 42 points invincibles. Donc on voit l'écart au niveau. Non, franchement, on a de quoi y croire. Bravo à nos filles. Bravo. Il y a David Chaudong qui nous donne un carton vert pour Batles en disant mea culpa. Oui, parce que David réclamait le départ de Laurent Batles. Tu étais le seul, David, à le réclamer. Nous, sur Carton Rouge, on a toujours défendu Laurent Batles. Toujours, même dans les moments les plus difficiles. Menteur. Et les deux gros avocats, c'était Thomas et moi. Jusqu'au bout, on était prêts à le défendre parce qu'on considérait qu'il fallait surtout rester dans la continuité. Et ça, c'était un point très important. Flavien, tu as vu sur le chat, je réponds à Clément. J'ai vu ton tweet très récemment. D'ailleurs, on a commenté je vois Clément Patia qui dit carton rouge pour les téléphones dans les COP. Ah là 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 là, je vais en parler ça. Ah bah très bien, bah, je vais en parler, je finirai là-dessus. Thomas, carton rouge ou carton vert ? Ce qui est bien quand d'une semaine sur l'autre, tu es d'une inconstance permanente et que tu n'as aucune honte à dire et d'une mauvaise foi totale semaine à l'autre, c'est qu'à un moment donné, tu trouves toujours un magnéto qui te donne raison quelque part, tu vois. Donc c'est ça qui est. C'est ça le petit truc en fait, c'est l'expérience. Carton rouge pour toi, Flavien. Ah. La manière indécente que tu as eu de jeter le jeune Bouchoirie en pâture à la vindicte populaire avec ce ralenti et que je te fais des copies d'écran. Le gamin, il a 21 ans, il porte l'équipe. T'as pas fait ça. Si, j'ai fait un jeune sur Bouchoirie. Ah si, je l'ai fait. Moi, j'ai trouvé ça d'une indignité totale, monsieur. Honte il était convaincant quand même, mon tableau noir, hein, parce qu'on voit que c'est lui qui fait la merde, hein, quand même. Honte à vous, monsieur. Honte à vous.
Hervé, carton rouge ou carton vert? Eh ben moi, carton vert. Carton vert pour nos supporters qui sont toujours là, à l'extérieur comme à domicile, depuis qu'on est revenu à domicile. Mais à l'extérieur, on blinde les parkages. Enfin voilà. Après, Bordeaux, c'était particulier parce que c'est des amis. Du coup, on n'était même pas. J'ai vu que les Magic n'étaient même pas dans le parkage, ils étaient à côté. Donc voilà, c'est belle image quand même à Bordeaux. Hein. Oui, bien, c'est bien, comme d'habitude, hein, on le sait, les Ultramarines, ouais, les Magic, ça fonctionne bien. Ça fait quoi, 30 ans maintenant. Ouais. Donc c'est bien, c'est bien. Record d'affluence de Ligue 2 battu à Bordeaux, vous avez vu. 27 000, 29, c'est ça 29 000 et des poussières, pratiquement 30 000 spectateurs pour voir ce Bordeaux-Saint-Etienne. Allez, c'est beau. Henri, carton rouge ou carton vert? Eh bien, moi, je vais mettre un énorme carton rouge. Ouf. Un énorme carton rouge. Ça tombe, attention, c'est sérieux. Au pouvoir public. Ah. Parce que, on n'en a pas parlé, il me semble, mais le déplacement à Nîmes pour les supporters stéphanois était incroyable, catastrophique. Ouais. Tu peux en dire deux mots, du coup, pour que tout le monde soit au niveau? Bon, je ne voudrais pas non plus en dire trop, ni dire de bêtises, surtout. L'idée, c'était que tout le monde arrive dans des bus et que, évidemment, compte tenu de l'horaire, lundi soir, c'était très compliqué de venir qu'en bus. Beaucoup de voitures sont arrivées aux environs de Nîmes et malgré que les voitures soient plus ou moins avec les bus, enfin encadré, tout au même endroit encadré, les pouvoirs publics ont jamais été conciliants, n'ont jamais essayé de trouver une solution. Donc et c'est la préfecture tout, quoi. La préfecture et tout le monde est reparti et on en revient toujours au même, on n'y arrivera pas avec ce genre de dialogue. Dans d'autres pays européens, ça se passe très bien, alors que c'est pas des enfants de cœur du tout, les supporters. Et nous, on n'y arrive pas. Et on arrive, et ça débouche sur ce qui s'est passé au Stade de France lors de la finale de Ligue des Champions, à faire n'importe quoi, à être débordé, à avoir limite. Alors, je sais pas s'il y a eu des blessés graves, mais en tout cas, voilà. Si les pouvoirs publics ne s'entraînent plus, enfin du moins n'ont plus cette expérience de l'encadrement du supporterisme. On n'y arrivera pas et puis ça va pas dans le bon sens. Donc voilà, gros carton rouge. Un beau carton rouge parce que je pense qu'effectivement, on a un problème. Mais en fait, je pense, si tu veux, Henri, pour voir un peu aussi de temps en temps l'autre côté du miroir, si je peux dire, côté pouvoir public, côté ligue, etc. Je pense qu'il y a une méconnaissance profonde de ce qu'est le mouvement ultra. C'est-à-dire que ils ne savent pas dialoguer, ils sont incapables d'avoir un peu l'intelligence de la situation, c'est-à-dire se dire bon bah là c'est pas la peine de foutre le bordel, les mecs ils sont là, on va les faire rentrer. Non, il y a une méconnaissance profonde, hein, ouais. Je suis sûr ils connaissent pas du tout. Donc ouais, un beau carton rouge. Non mais après, pour rebondir ce qu'il vient de dire, il y a eu quelques années, moi je te parle de ça, il y a peut-être 15 ans ou 20 ans, on était parti à Gerland pareil, en convoi, il y avait des bus. Derrière, il y avait des minibus et des voitures. Eh bien, on n'a pas interdit aux voitures de faire le convoi, quoi, en fait. Ils ont dit, bon, c'est encadré, il y a les CRS, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Donc, pourquoi, quand tu arrives à Nîmes, tu as fait 3 heures de route pour arriver au stade, t'es au bord du truc et on te dit non, tu n'y vas pas, quoi. Bah, moi, je me souviens des déplacements que je faisais au début des années 90, donc c'était même avant la création des Magic. À l'époque, c'était les Fighters 88. Les Fighters, ouais. Qui en était membre? Personne? Alors, pas moi. Moi, j'y étais. J'y étais, mais j'étais pas membre. Moi, j'étais membre, j'avais ma carte et c'était un beau logo. Ouais, c'est un autre siècle, mais n'empêche que quand on faisait les déplacements, c'était pas sécurisé comme aujourd'hui. Hein. Je me souviens d'un déplacement à Marseille, le bus avait été massacré. Enfin, je veux dire, ils avaient pété toutes les vitres. Oui. Il y avait eu des bagarres dans les tribunes, c'était pas sécurisé, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien du tout. Des déplacements à Gerland, qui étaient, alors à l'époque, c'était les skinheads qui nous attendaient à la sortie. Enfin, c'était beaucoup plus violent qu'aujourd'hui. C'est pour ça que, en fait, je ne dis pas que c'était bien, c'était pas bien, mais c'était comme ça. Aujourd'hui, en fait, dès que tu as une canette qui vole, ah mais c'est l'équipe TV, ils t'en font des tonnes. Hein, ouais, les mecs autour des plateaux, là, sur RMC, oh là là, le football français qui part en bruit, machin, ouais. Mais. D'accord, c'est pas bien, on est d'accord, on va pas dire que c'est bien, non, mais non. Par rapport à ce qu'on a vécu par le passé, il faut se détendre un peu, quoi. Hein, c'est ça. Voilà. Donc tout le monde surjoue aujourd'hui l'indignation. Dès qu'il y a un truc, tu craques un fumigène, oh là là, c'est incroyable. Enfin bon, il faut arrêter. Mon carton rouge, mon carton vert, je distribue un carton vert, moi, ce soir, c'est pour la communauté Carton Rouge TV, du coup, d'abord pour vous, les gars, parce que, et j'associe également Olivier et Franck qui ne sont pas là avec nous ce soir, mais je pense qu'on fait des émissions où on prend du plaisir à les faire. J'espère que ceux qui nous regardent prennent aussi du plaisir à les faire. Donc carton vert pour la communauté Carton Rouge côté ici, et puis également pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, parce qu'on est plus de 17 000, voilà, on a beaucoup de monde en live, ça fonctionne bien, donc on prend du plaisir à le faire. Je pense que si vous êtes si nombreux, c'est parce que si vous prenez du plaisir à nous regarder,
on se prend pas au sérieux, hein. On dit des bêtises aussi, hein, parfois. Il y a pas de problème. On le revendique, c'est pas un souci, mais l'essentiel, c'est jamais. Jamais. Surtout pas toi, Thomas. Jamais de bêtises. Et on est payé cher pour prendre ouais, des bêtises. C'est ça, c'est énorme. C'est énorme. Il y a du saucisson qui nous attend à la sortie, nous, messieurs, pendant que vous serez chez vous. Et puis, je veux juste revenir sur un point. Alors, c'est pas un carton rouge, c'est juste un petit, effectivement, c'est Jean-Baptiste qui me faisait penser. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, effectivement, et je sais que les ultras n'aiment pas qu'on filme à l'intérieur des copes, etc. Parce qu'en plus, il y a les capots et tout, donc garder un anonymat, etc. Mais j'ai vu des témoignages sur les réseaux sociaux de supporters gentils qui vont soit dans le Cop Nord, soit chez les Greens, qui sortent leur téléphone et qui filment, où il y a des mecs qui viennent les voir en disant tu ranges ton téléphone, sinon ça va mal se passer. Donc, je peux comprendre que quand on est dans le COP, tout le monde dit il faut vivre l'instant, si tu veux filmer, tu vas en latéral, etc. Mais je pense aussi qu'il faut se détendre un peu, parce que faut se détendre un peu, sortir oui. son téléphone et filmer, c'est pas un crime, c'est pas très grave. Et que je suis sûr que les Magic ou les Green qui sont nerveux sur ce sujet-là, ils sont aussi contents de regarder les images après sur les réseaux sociaux pour voir le COP qui vibre. Donc je pense qu'il faut être un peu plus calme, les amis, là-dessus. Oui, mais c'est pas que nous. Je veux dire, moi, j'ai été en Italie, j'étais au Torino, par exemple. Tu sors ton téléphone, non, tu sors pas ton téléphone. Je vois pas ce que ça fait, en fait. C'est une mentalité. Je pense qu'il faut s'étendre, parce que quand on s'en prend à une gamine qui doit avoir 18 ans, c'était le cas en l'occurrence, en lui disant, nous, on te le dit gentiment, mais si tu le rentres pas, ça va mal se passer pour toi. Détendre, quoi. C'est pas très grave. Je sais que c'est la mentalité, je sais que c'est comme ça dans les COP. C'est un peu la règle implicite, mais enfin, c'est pas non plus très grave. J'ai pas sorti de carton, hein, les gars, vous avez vu? Je vais juste passer le message parce que Jean-Baptiste m'a lancé dessus. C'est ça. Hein? Exactement. Voilà. Donc, la prochaine fois que j'irai dans le COP Nord, j'irai avec une caméra, avec des téléphones, et je sortirai comme ça en disant je suis carton rouge! Laissez-moi filmer! Voilà, les amis. Bon, il faudra d'ailleurs qu'on retourne ça dans de ces jours. Hein. D'ici la fin de saison, on y retournera. Moi, il faut que j'y retourne. Je peux pas y aller contre Amiens, je le dis, j'avais essayé, je regardais. On va sûrement essayer d'y aller. Moi, je peux pas y aller parce que j'ai un truc l'après-midi, mais j'essaierai d'y retourner. Voilà, Jean-Baptiste qui nous montre son écharpe à l'envers. C'est tout pour ce soir, les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci d'avoir été si nombreux. Et puis, on se retrouvera pour l'avant-match face à Amiens, bien sûr, et puis je serai en direct. Thomas n'a pas pris la parole pour terminer, c'est pas possible, Thomas. Thomas, tu ne réponds plus à nos attentes. Grosse déception, hein, Thomas. Grosse déception. Je fais une grève de supporterisme. Allez les amis, c'est tout pour merci. Ce soir. Merci à Ghislaine qui est derrière la caméra. Et merci à Esteban aussi qui a préparé le live. Merci à tous ceux qu'on ne voit pas à l'écran aussi, hein, parce qu'une émission, ça ne se fait pas comme ça, je vous assure. Allez, prenez soin de vous, de vos proches, et puis allez les verts. Merci ciao. À la communauté. Ciao. Ciao. Allez les verts. Allez. À plus. C'est tout. Le pigeon vert. Mais alors c'est quoi cette histoire de pigeon vert? Allez, je sais pas qui c'est. C'est un mec qui t'envoie des... Salut JB. Salut JB. Salut JB. Salut JB.